est trop tard pour tout recommencer. Mes erreurs ont tout gâché. Le sablier peut continuer de s'écouler. Rien n'y fera, tout est joué. Si tu pars sans rien dire et sans même un baiser, c'est que notre belle histoire est vraiment finie. J'aurais dû mieux t'aimer, oh oui, beaucoup mieux t'aimer. C'est souvent ce qu'on dit quand tout est fini. Bonne raison pour me quitter comme ça. Tu en as, c'est bien vrai. Des efforts, je vais en faire, ça je te le promets. S'il te plaît, ne pars pas. Si tu pars sans rien dire et sans même un baiser, c'est que notre belle histoire est vraiment finie. J'aurais dû mieux t'aimer, oh oui, beaucoup mieux t'aimer. C'est souvent ce qu'on dit quand tout est fini. Tu es maintenant parti. Il y a un mois déjà, je n'y peux rien, c'est comme ça. Il me revient un air que nous fredonnions, c'est celui de cette chanson. Si tu pars sans rien dire et sans même un baiser, c'est que notre belle histoire est vraiment finie. J'aurais dû mieux t'aimer, oh oui, beaucoup mieux t'aimer. C'est souvent ce qu'on dit quand tout est fini. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit quand tout est fini. Merci beaucoup. L'autre jour, j'ai ma maman au téléphone. Il y a de ça peut-être 4 ou 5 ans. Hein. J'avais peut-être 56, 57 balais quand même. Puis elle me chante une petite chanson. Alors je dis, ben non, c'est quoi cette chanson-là? Tu me chantes, là. Ah ben, elle me dit, c'est une chanson que ton arrière-grand-père avait composée. Ben, je lui dis, quand même, tu manques pas d'air. Hein. T'attends que j'ai 57 balais pour me chanter ça et au téléphone. Faut dire que ma maman, elle habite en Bretagne. Alors je lui dis, ben, pour la peine, comme elle se souvenait plus que du premier couplet et du refrain, tu vas écrire le deuxième couplet. Elle me dit, oh ben non, je dis, maman, c'est pas une demande, c'est un ordre. Donc elle a écrit le deuxième couplet, et moi j'ai écrit le troisième couplet. Donc on peut dire en sorte que c'est une chanson de famille. Ça s'appelle « Pour mon arrière-grand-père ».